Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours pour mieux écrire avec le bon geste. L'objectif de ce cours sera de vous aider à mieux et bien écrire les syllabes simples avec une voyelle, et ceci à l'aide de la méthode d'oralisation de l'écriture, c'est-à-dire la prononciation à haute voix de ce que l'on écrit. Ainsi, votre écriture deviendra peu à peu plus lisible pour vous et les autres personnes. Juste avant de commencer à écrire, assurez-vous, premièrement, d'avoir un bon papier, assez lisse et éventuellement ligné. Également un bon stylo, comme par exemple un stylo plume, une table avec la bonne hauteur correspondant à l'hauteur de vos coudes, lorsque vous êtes assis bien droit. Troisièmement, avoir les pieds bien à plat au sol, comme ici. Et quatrièmement, votre feuille de papier légèrement inclinée à 30 degrés. Cinquièmement, avoir fait un peu d'exercice des doigts, du poignet, de la main, etc. Et avoir un bon éclairage. Je terminerai par surtout la bonne prise, la bonne préhension de votre stylo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces conseils dans mes listes ou dans mes liens cliquables en fin de ce cours. Vous devez tenir le stylo entre trois doigts, les trois premiers, entre le pouce, l'index et le majeur que j'ai dessiné de couleurs différentes. Le majeur se placera en dessous, comme ceci, pour soutenir le stylo. Puis le pouce et l'index pour maintenir le stylo sans le serrer. Avec la lettre B, comme ceci, B, et les voyelles A pour faire le son bas, B, E, B, B, I, B, B, O, BO, B, U, BU. Avec la lettre C et les voyelles C, A, K, C, O, CO, C, U, Q. Attention ici avec les deux voyelles E et I. CE se prononce ce, CI se prononce si. Avec la lettre D et les voyelles A, DA, DA, DE, DE, DI, DI, DO, DO, DU, DU. Avec la lettre F ou la consonne F avec ses voyelles FA, FA, FE, FE, FI, FI, FO, FO, FU, FU. Passons à la lettre G. G. Avec la lettre A, donne le son GA. Avec la lettre O, GO,
Et enfin ici avec la voyelle U-GU. Attention ici avec les lettres E et I. G, E donne le son je. Et G, I donne le son J. Passons à la lettre H. A donne le son A. H, E, E. H, I, I. Oh là, pardon. H, O, O. H, U, U. Trois interlignes, hein, les H. Bien. Passons à la lettre J, qui descend à deux interlignes en dessous. Et un petit point au-dessus. J, A, JA. J, E, JE. J, O, JO. J, I, J. Il était avant, mais... Et J, U, JU. Passons à la lettre K. Trois interlignes au-dessus. K, A. K. Avec les petits points ici, bien sûr. K, E, que. K, I, qui. K, O, co. Et enfin, K, U, Q. Passons à la lettre L. Trois interlignes également. L, A, la. L, E, le. L, I, li. L, O, l'eau. Et L, U, lu. Avec la consonne M. Comme ceci. A, ma. M, E, me. M, I, mi. M, O, mo. Et enfin, M, U, mu. Avec la consonne N. A, na. N, E, ne. N, I, ni. N, O, no. Et enfin, N, U, nu. La lettre P, qui descend également de deux interlignes. P, A, pa. P, E, peu. P, I, pi. P, O, peau. P, U, pu. Voyons à présent la lettre Q, qui s'écrit comme ceci, avec U derrière. Q, U, A, K. Q, U, E, que. Q, U, I, qui. Et enfin, Q, U, O, co. Avec la lettre R, comme ceci, et des voyelles suivantes, R, A, ra. R, E, re. R, I, ri. R, O, ro.
R, U, rue. Passons à la lettre S. Comme ceci. A, ça. S, E, ce. S, I, si. S, O, so. Et enfin, S, U, su. Avec la lettre T sur deux interlignes, T, A, ta. T, E, te. T, I, ti. T, O, to. Et enfin, T, U, tu. Avec la lettre V. V, A, va. V, E, veut. V, I, vit. V, O, vaut. Et enfin, V, U, vu. On passe le W. On arrive à la lettre X, la consonne X. X A xa, X E xe, X I xi, X O xo, et enfin X U xu. Je terminerai avec la lettre Z, qui s'écrit avec deux interlignes en dessous. Z, A, za. Z, E, ze. Z, I, zi. Z, O, zo. Et enfin, Z, U, zu. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi avec les liens qui s'affichent et qui sont cliquables pour compléter vos connaissances. Au revoir et à très bientôt.